nom est Marie Sklodowska. Je suis née à Varsovie et suis venue à Paris pour y faire des études scientifiques. En 1895, encore étudiante, j'épousai un grand savant, Pierre Curie. En 1897, je décidai de passer une thèse de doctorat. C'est alors que Pierre Curie me fit part d'un phénomène curieux qui lui avait été communiqué par le professeur Becquerel. Dans son laboratoire, Becquerel faisait la constatation suivante. Un composé d'urane placé sur une plaque photographique entourée de papier noir est exposé au soleil. Il émet alors des rayons uraniques qui, traversant le papier noir, impressionnent la plaque photographique. Ces rayons ont aussi la propriété de décharger un électroscope. Ayant laissé pendant plusieurs jours dans un tiroir ce composé d'urane placé sur une médaille, elle-même posée sur une plaque photographique, Becquerel développa cette plaque. Il s'aperçut qu'elle était également impressionnée et laissait apparaître la silhouette de la médaille. Ce rayonnement ne dépendait donc pas d'une insolation préliminaire et il y avait lieu de se demander d'où provenait l'énergie dégagée par le composé d'urane sous forme de radiation. L'étude de ce phénomène nous parut très intéressante et je décidai d'entreprendre un travail à ce sujet. Pierre Curie obtint du directeur de l'école de physique l'autorisation d'utiliser un atelier vitré pouvant contenir les éléments d'une méthode quantitative précise. Le montage de l'expérience comprenait les éléments suivants. Une chambre d'ionisation formée par un condensateur à plateau. Un électromètre Curie. Un quartz piézoélectrique. Pour mesurer les courants très faibles que l'on fait passer dans l'air ionisé par les rayons de l'uranium, la méthode consistait à compenser sur un électromètre sensible la quantité d'électricité apportée par le courant par celle que peut fournir un quartz piézoélectrique. Cette méthode avait été découverte par Pierre et Jacques Curie. Les mesures que j'ai faites m'ont vite démontré que le rayonnement des composés d'urane était une propriété atomique de l'élément uranium. Son intensité est proportionnelle à la quantité d'uranium contenue dans le composé. Je recherchais alors, parmi tous les éléments connus, ceux qui pouvaient posséder la même propriété. J'ai trouvé que les composés de thorium étaient les seuls à émettre des rayons analogues à ceux de l'uranium. Il ne s'agissait donc plus de rayons uraniques, mais d'une propriété nouvelle, la radioactivité. Après mes recherches sur les composés simples, j'examinais un grand nombre de minéraux, pulvérisé et pesé avec précision. Certains d'entre eux manifestaient une radioactivité anormale. Beaucoup plus fortes que celles que j'avais prévues d'après leur teneur en uranium ou en thorium. S'agissait-il d'une erreur d'expérience? Je fis part à Pierre Curie de ce curieux phénomène.
Il ne s'agissait pas d'une erreur d'expérience. Je fis alors l'hypothèse que ces minéraux contenaient en petite quantité une substance beaucoup plus fortement radioactive que l'uranium ou le thorium eux-mêmes. Cette substance ne pouvait faire partie des éléments connus puisque tout ceci avait été examiné. Ce devait donc être un élément chimique nouveau. Vivement intéressé par la question, Pierre Curie se joignit à moi pour la recherche de la nouvelle substance. Le minerai choisi par nous était un minerai d'urane, la PEC-blinde. Nous avons effectué des séparations par les moyens ordinaires de l'analyse chimique. Après avoir mesuré la radioactivité des produits séparés, nous avons été amenés à caractériser dans la PEC-blinde la présence de deux radioéléments nouveaux, le polonium et le radium. Il nous restait à isoler ces éléments. La séparation des éléments exigeait des quantités de matières premières bien plus grandes que celles que nous avions traitées. En prélevant sur nos propres ressources, nous nous sommes procurés plusieurs tonnes de résidus de PEC-blinde qui nous étaient envoyés de Bohême et livrés dans la cour de l'école de physique. Pour faire nos traitements chimiques et obtenir du chlorure de radium pur, nous ne disposions que d'un hangar en planche dépourvu de tout aménagement. Il n'y avait pas de hotte de laboratoire permettant le dégagement des gaz nuisibles. Il fallait exécuter nos opérations dans la cour quand le temps le permettait. J'ai été amené à traiter jusqu'à 20 kg de matière à la fois. C'était un travail exténuant que de transporter des récipients et de remuer pendant des heures au moyen d'une tige de fer la matière en ébullition. Malgré les difficultés de nos conditions de travail, nous nous sentions très heureux. Pierre Curie avait souhaité que le radium ait une belle coloration. S'il nous arrivait de revenir le soir dans notre domaine, c'est parce que nous avons eu la joie particulière de constater que le radium avait autre chose qu'une belle couleur. Il était dans l'obscurité spontanément lumineux. Nous avions réussi à préparer un décigramme de chlorure de radium pur et fait une première détermination du poids atomique. Ainsi, l'individualité chimique du radium se trouvait établie sans controverse possible. Pour couronnement de nos travaux, nous obtenions le prix Nobel de physique. Pierre Curie fut nommé professeur à la Faculté des sciences de Paris et membre de l'Institut.
En 1906, il était au premier rang des savants de son pays. Fatigué par ses travaux et assez souffrant, il vint avec moi et nos deux enfants, Irène et Ève, passer les journées de Pâques dans la vallée de Chevreuse. Ce furent deux douces journées. Demain, 19 avril, Pierre Curie tombait sous les roues d'un camion. La contusion à la tête fut instantanément mortelle. Et ainsi fut détruite l'espérance que l'on pouvait fonder sur l'être admirable qui venait de disparaître. Dans le cabinet de travail où il ne devait plus revenir, les renoncules d'eau que nous avions rapportées de la campagne étaient toutes fraîches encore.